gens, j'espère que vous allez être assez heureux ce soir. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes ma collection de Playmobil policiers. Donc, on va commencer par les véhicules. Donc, le premier, c'est un hélicoptère. Avec dedans, il y a deux places à l'intérieur. Ici, il y a le... Ici, il y a le... Là où il y a l'essence et tout, le radar. Hop. Ensuite, un fourgon. Un fourgon avec les gyrophares qui s'allument d'ailleurs. Ensuite, dedans, c'est comme ça. Donc moi, ici, je me sers plutôt à mettre les prisons, la prisonnier et tout. Ici, il y a la petite porte. Ici derrière, c'est le véhicule. Voilà. Là, c'est le poste de commandement où il y a des policiers qui s'assoient avec le volant. Je vais vous montrer les personnages, le commissariat. Donc ensuite les motos, on a pris, il nous reste un véhicule de police. Donc une première moto. Donc il n'y a pas les gyrophares, il n'y a pas le bouton pour les allumer. Police New Yorkaise, police, une autre moto. Voilà. Pareil, il n'y a pas de gyrophare là cette fois. Ensuite, un véhicule. Une voiture police. Donc dedans le coffre, il y a plein d'armures pour l'équipage. Ici, il y a quatre places dedans. Là, il y a un volant et une place pour le passager. On va commencer par ce coffre là-dedans. Après, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc, voilà. Donc, il y a un code. Donc, ensuite, dedans. Dedans, il y a quoi? Parfait. C'est là. Donc, ici, il y a de la monnaie comme ça. Donc, il y en a beaucoup. Donc, du coup, j'en ai réparti dans trois valises. Donc, là aussi. Et là aussi. Ensuite, là, il y a ça. Un petit bac, un collier qui est en autocollant, bien sûr. Ensuite, de la monnaie. Même je crois que c'est pas tout en monnaie. Ensuite, il y a encore ça. Encore tout ça. Ensuite, des lingots d'or. Donc en même temps, après, ce que je fais, c'est lire. Ensuite, il y aura des outils que je vais montrer. Maintenant. Et voilà. On continue, on fera après. Donc des outils. Voilà, comme outils. Il y a un marteau, une perceuse et tout. Donc, désolé si le téléphone est tombé. Hop. Alors,
voilà. Donc là, je suis en train de remettre les billets dans là. Hop. Après, ici, il y a un coffre. Dans le coffre, il y a un petit truc gris. Et c'est là où vous pouvez mettre votre argent plus en sécurité. Moi, perso, je la mets là. Ensuite, là, je mets les lingots d'or. Hein. Et dites-moi dans les commentaires ceux qui aiment Playmobil. Ensuite, là, l'argent. Et l'argent. Et l'argent, et l'argent. Et outils, outils. Ensuite, il y a une dynamite. Une dynamite en rouge. Ensuite, il y a des montres avec sur un support. Le collier que je vous ai montré. Un diamant qui est dans mes mains. Un énorme diamant. Une tablette. Un casque, une bague, ça et c'est tout. Après, il y a la porte qui s'est enlevée et c'est tout. Ensuite, au commissariat, là en vrai. Donc là. Voilà. Là. Et ensuite, ici, il y a le nécessaire. Donc là, il y a des personnages. Donc là, il y a les prisonniers. Et je pense qu'on va faire aussi des pauses, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais vas-y, tu peux continuer tranquillement encore. Donc là, on va commencer par les prisonniers. Donc là, je prends... Ou déjà et je lis. Donc là il y a lui. Lui. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 personnages en prison. Donc c'est bon pour les prisonniers. Ensuite, le nombre de policiers. Oui. Donc lui, il a une arme. Hein. Ici, elle, lui, 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 lui et lui. Donc, j'ai un peu les mêmes au niveau. J'ai deux mêmes, donc voilà. Ensuite, on passe. Donc là, il y a le chauffeur d'hélicoptère. Qui est là. Ensuite, on passe au... Ensuite... Ben, je crois que c'est bientôt tout. Les accessoires. Donc, les accessoires...
Donc, il y a des accessoires. Donc là, il y a des choses, hein, de police, un classeur, un téléphone, une hausse. Ensuite, donc ça, c'est tout l'intérieur de la voiture, hein. Donc là, c'est toute la sorte de la voiture, hein. Après, je remets ici, donc il y a trois paires de menottes, une matraque, hein, qui sert, deux pistolets, un pistolet qui a un laser comme un sniper. Pourquoi je mets des haches? Parce que en fait un jour je sais pas comment trop l'expliquer, mais on sait jamais. Ensuite, des fusées, leur talkie-walkie. C'est le coffre où il y a plus de choses que tout. Je crois que c'est tout pour la fin de cette vidéo. Donc on se retrouvera samedi. Et surtout abonnez-vous. Goodbye.